départ, le Polozanam, c'est un cursus qui est proposé par Stanislas à tous les élèves qui sont en première, donc toutes les sections confondues. Et on nous propose la possibilité de faire tel ou tel service ou action de bénévolat. Ça peut être à l'hôpital, moi c'était Saint-Jean-de-Dieu. On nous propose et puis on choisit en fonction de ce qu'on aime faire, où est-ce qu'on se sentrait plus à l'aise et ce qu'on pense qui pourrait nous apporter plus. Alors on propose d'aider au dîner de la masse. Donc la masse, c'est la structure qui est réservée aux adultes, donc de plus de 18 ans. Et je viens tous les mardis, 6h-10, jusqu'à 19h15, 19h30. Et voilà, j'accompagne au dîner. Au départ, comme j'étais pas formé pour tout ce qui était troubles de la déglutition et tout ce qui était plus médical, je faisais surtout de la présence, donc on discute, on apprend à faire connaissance au début. Puis une fois qu'on a fait la formation, on peut commencer à donner à manger, on peut commencer à les aider, et puis ça permet de, qu'ils mangent pas tout seuls en silence, et puis on fait connaissance tout en les aidant. Donc. On a des bénévoles de tout âge, et notamment le mardi en semaine, c'est intéressant parce que c'est des bénévoles plus jeunes, donc ils sont plus proches aussi de l'âge de nos résidents. Donc du coup, oui, c'est intéressant, ça met de la vie, ils parlent d'autres choses, c'est des nouvelles personnes que les résidents peuvent côtoyer. Et donc du coup, on voit un peu comment les infirmières travaillent avec les personnes. Et on fait plus de la présence, en fait, on est avec eux, mais moi, je ne fais pas vraiment de gestes ni rien. Enfin, je les accompagne plus qu'autre chose. Le but du bénévole, c'est d'être vraiment inclus dans un moment, un instant T de la journée du résident. Donc ça peut être soit des activités, donc là en soi, il n'y a pas vraiment besoin de formation, mais lorsque comme c'est pour un accompagnement sur des repas, c'est toujours mieux de pouvoir les former, notamment sur tout ce qui est risque de fausse route, pour qu'ils puissent avoir certains outils pour pouvoir réagir et surtout pas paniquer. Donc pour eux, qu'ils soient vraiment au mieux dans leur mission, et qu'ils puissent appréhender au mieux ces repas, c'est important de pouvoir les former et qu'ils puissent réagir. Ça leur sert aussi bien sur la structure, mais aussi c'est des petites formations, des mini-formations qu'on a pu faire avec le médecin, qu'il fait lui-même aux salariés de la structure. Et du coup, ça peut même servir après dans la vie. C'est totalement nouveau parce que j'ai jamais eu l'occasion avant de parler ou d'être en présence de personnes handicapées. Et effectivement, au début, j'étais plutôt en retrait, mais j'avais un peu peur de ces personnes parce que c'était l'inconnu. Et en fait, effectivement, en revenant chaque semaine, on apprend vraiment à les connaître et on se rend compte que finalement, ils ne sont pas si différents. Enfin, c'est un peu absurde, mais vraiment, on crée un contact, on crée un lien avec ces personnes et on a envie de les revoir chaque semaine et eux aussi. Et donc, c'est assez plaisant pour les deux côtés, je pense. Ils sont contents de nous voir, ils ont de l'affection pour tout le monde en fait, ils sont très affectueux et ça apporte énormément et ça transforme complètement le regard qu'on a sur les personnes malades. On se dit plus je vais aller faire de l'humanitaire entre guillemets ou je vais aller aider des personnes en difficulté. On se dit je vais vraiment aller rencontrer des gens qui sont normaux en soi dans leur handicap, qui peuvent m'apporter énormément de choses. Et oui, je conseille de le faire parce que tout simplement ça rend plus heureux. Ça enrichit énormément et puis aussi on est utile, on a l'impression de servir à quelque chose et pas d'être là et de rien faire. Parce que même si on fait que parler en soi parfois, on sait que eux ça les rend heureux et nous ça nous rend heureux aussi de voir leur joie et leur plaisir quand on est là. On apprend beaucoup et finalement je pense que c'est une expérience à vivre et oui ça peut ne pas plaire à tout le monde mais moi en tout cas ça m'a plu et je le conseille vivement. D'autres personnes de mon âge.